Salut YouTube, Eric Le Goat chez Galago Music. Aujourd'hui, un morceau de Nirvana, encore comme As You Are. C'est un peu le riff obligé à connaître quand on fait de la guitare, folk ou électrique. Et même si vous avez une classique et que vous aimez un tant soit peu le rock, vous êtes obligé de jouer ce morceau. Voilà, donc on a un riff qui va nous servir de couplet, on a un refrain et un pont. Et en tout, à la main gauche, on n'a que 4 accords. Voilà, donc on voit tout de suite le détail du riff. Et puis ensuite, eh ben, les deux autres parties pour compléter le morceau. Voilà, tout de suite. Alors, pour les explications de ce riff, j'ai enlevé le son que j'avais mis sur l'ampli. Là, c'était un petit effet de chorus qui permettait de ressembler un peu au son original. Donc là, c'est vraiment en son acoustique pur. Alors, le riff, il donne ça. Au début, on va tout jouer sur la corde de mi, grave. Deux coups à vide. Ouais. Ensuite, première case de mi. Deuxième case de mi. Alors là, on va essayer de le faire avec deux doigts. Alors peut-être que je peux vous montrer de manière un peu extraterrestre pour que ce soit bien clair visuellement. Alors, 0, 0, demi, donc mi, quoi. Mi, mi, 1, 2. Mi, mi, fa, fa dièse. 0, 0, 1, 2. Cette note-là, elle est un peu plus longue que les autres, d'accord? Il y aura deux endroits où il faudra retenir la note qui est longue. Donc 0, 0, 1, 2, long. Ensuite, je vais alterner avec la corde de la vide. 0, je reviens en mi. 0, de là, je reviens en mi. Je refais depuis le début. Je prends une position un peu plus guitaristique. 0, mi, 0, 0, 0, 1, 2, long. 0, alors là, il faut faire attention que le majeur qui appuie sur la deuxième case, si vous voulez, vous pouvez utiliser que l'index. Mais pour la suite, ce sera plus pratique si vous utilisez vraiment le doigté que je vous montre. Donc, une fois que vous avez fait ça, veillez à ce que ce doigt-là ne touche pas la corde de là, parce que sinon ça va donner un son comme ça. Moche, moins moche, mais moche quand même. Donc, il faut bien le soulever pour que le là sonne vraiment bien. Donc, 0, 0, 1, 2, oh. Et ensuite, je redescendrai 1, 0. Et on aura quasiment fini le riff. Je refais du début. 0, 0, 1, 2, long. 0, 2, 0, 2, 2, 1, 0. Et après ça, je replacerai mon majeur en deuxième case de la corde de là. Et on n'aura plus qu'à faire cette corde là, donc une fois, 2, 0, 0. Et cette note là, c'est la deuxième qui est longue. Et il manque 3 ou 4 notes derrière et c'est fini. Je vous refais tout. 0, 0, 1, 2, long. 0 d'à côté. 2, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 0, 0, long. Et la fin. 2, et c'est reparti. 0, 1, 2, long. Voilà, on a retrouvé notre note de départ. Donc je refais tout depuis le début, une fois pas vite. Et après, à la vitesse un peu, enfin, de plus en plus vite. 0, 0, 1, 2, long. 0, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 0, 0, long. 2, encore, long. 0, 2, 0, 2, 2, 1, 0. 0, 0, long. Et c'est parti, long. 0, 2, 0, 2, 2, 1, 0. 2, 0, 0, long. Et c'est parti, long. 0, voilà. Parce que souvent, on se plante à la fin du riff. Au niveau de la note qui est longue, on ne sait plus trop quand est-ce que ça reprend au début. Voilà, donc une dernière fois à vitesse normal, et on passera donc ensuite aux accords aux positions de main gauche pour les deux parties suivantes. Alors, oui, alors pour le départ, on va pas partir sur le premier temps. Donc quand vous faites votre décompte, c'est 1, 2, enfin un peu moins vite, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, je recommence, 1, 2, 3, et encore un peu moins vite, 1, 2, 3, et 4, et on tombe sur la note longue. 1, 2,
3 et 4 et 1, long. Encore une dernière fois et après la vitesse réelle. 1, 2, 3 et 4 et 1. D'accord ? Maintenant, la bonne vitesse. 1, 2, 3 et 4 et 1. Voilà. Donc déjà, vous pouvez vous arrêter sur cette partie-là si c'est ça qui vous intéresse. Autrement, voici la suite. Alors, pour les positions de main gauche, 4 accords, voici le premier. Vous avez placé votre index en deuxième case de l'accord de mi. Et après, l'annulaire et le petit doigt, l'auriculaire, sur le quatrième case. La quatrième case des cordes de la et ré. Ce qui nous offre une position de power chord. D'accord ? Donc normalement, le power chord, on va gratter que les trois cordes qui nous intéressent et éventuellement se débrouiller pour bloquer le reste. Comme ça, on gratte tout comme des bourrins et il n'y a que trois cordes qui sonnent sur 6. Sauf que dans ce cas présent, on va avoir envie justement d'avoir ces trois notes enfoncées. Bon, très bien. Mais également... Ah ah ! C'est l'accord mystère du jour. Tac. On va essayer de se débrouiller pour que les trois petites... Enfin, les trois dernières cordes aiguës sonne. Donc faut pas trop écraser l'index parce que sinon vous allez être très déçu. Alors donc on va gratter une fois ça pour l'instant toutes les cordes. Deuxième accord, c'est un power chord également, le power chord de la. Donc on a deux possibilités pour le faire. Voici la première, celle que j'estime la plus efficace et la plus pratique. Vous barrez avec l'index, pas trop parallèle parce que sinon quand vous allez gratter, toujours ce petit fa dièse Beatles, cela qui fait très moche chez Nirvana. Donc, vous placez l'index un petit peu en diagonale, comme ça, vous appuyez, et là-haut, ça s'étouffe, quoi. Comme vous appuyez en début de case, la note ne sort pas des masses. Et le chat gémit. Gémit le chat. Alors, clac. Pour la corde de la. Je place également le pouce un petit peu par-dessus la corde du gros mi, pour le bloquer. Comme ça, quand je gratte, j'aurai en fait cette note-là qui sort, le La, celle-ci, celle-ci. C'est les trois qu'on veut. Celle-ci éventuellement, mais bon, on peut... Par contre, surtout pas la dernière. Voilà. D'accord, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode pour le La, c'est le La un peu scout, hein, voilà, qui fait deuxième case du Ré, deuxième case du Sol et deuxième case du Si. Mais bon, il fait un peu trop folk, un peu hors contexte. Mais si vous n'arrivez pas à faire ce truc-là, vous utilisez le la que vous connaissez, hein, bien sûr. Le troisième accord, c'est également un power chord. Cette fois-ci, on était comme ça, là, sur le tout premier. Là, on va tout décaler, hop, d'une corde vers le plancher. C'est-à-dire deuxième case de la, quatrième case de ré, quatrième case de sol. Et là, par contre, on va se débrouiller pour bloquer le gros mi avec le bout de l'index. Regardez bien. Je le place comme ça. Voilà. Comme ça, je peux gratter sans qu'on entende ce truc-là derrière. D'accord ? Donc, ça, c'est le power chord. Pareil, j'essaye de placer l'index un petit peu arrondi et afin qu'il touche les cordes du bout, là. Comme ça, je gratte tout. Et il n'y a que trois cordes qui sonnent. Si vous n'y arrivez pas encore trop, juste, il faut bien viser les trois cordes du milieu. Et le dernier accord, c'est le même, la même position, décalé, en cinquième case. Enfin, je compte, c'est toujours l'index hein, que je compte comme ça. Pour avoir un power chord de Ré. Voilà, donc les quatre accords d'affilée. L'accord mystère, Fa dièse mineur quelque chose. L'accord de La, power chord ou La majeure. Comme ça, ou comme ça. Ensuite, le power chord de Si. Deuxième case du La. Et ensuite, le power chord de Ré, cinquième case. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment, quelle est la rythmique qu'on met dessus. Voilà, donc sortie du riff, maintenant, on va attaquer le refrain. La plupart des guitaristes se contentent de jouer le riff de départ, et c'est un peu couillon, parce que c'est quand même... La suite est vachement efficace et super jolie. Donc, sur le power chord de Fa dièse mystère... Et le power chord de La, ou l'accord de La majeur, peu importe comment on l'appelle, on va trouver cette rythmique là de main droite. Ba, ba, o, o, ba. Ah, on l'a déjà eu celle-là, non ? Ba, ba, o, o, ba. Donc je fais un petit
au moment où la main descend sans gratter. Le but du jeu, c'est que la main droite s'arrête jamais, d'accord? Si vous avez ça, vous avez beaucoup de choses déjà. Donc, bas, bas, haut, haut, bas, et bas, bas, haut, haut, bas, et un tout petit peu moins vite. Bas, bas, haut, haut, bas, et bas, bas, haut, haut, bas, ok? Donc, on va avoir une mesure de Fa dièse mystère et une mesure du La. Avec la rythmique que je viens de vous montrer. Alors déjà, on le fait une fois en mode bourrin, c'est-à-dire que ça donnerait Ba, Ba, O, O, Ba, et ensuite le La. Ba, Ba, O, O, Ba, et on recommence ça. Je crois que c'est 4 fois. O, Ba, 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 O, O, Ba. Voilà, si on veut être un peu plus efficace et coller un peu plus original aussi, en fait, les deux premiers coups, les deux coups vers le bas, là, se font en fait dans les graves. Bas. Donc là, je tape dans le La hein, sur les deux, trois premières cordes max. Bas. Et le haut va récupérer les trois ou quatre cordes aiguës. Ce qui va donner un contraste en fait de timbre. Pour donner. Bas. Alors je vous fais la version bourrin et après la version raffinée. Bas. Bas. Oh, oh, bas. Raffiné. Bas. À la limite, il n'y a que le dernier coup vers le bas qui gratte tout. Basse, basse, haut, haut, tout. Basse, basse, haut, haut, tout. Et après, sur le La, c'est simple. Bas, bas, haut, haut, bas. C'est le même principe. Donc là, pareil. Si vous vous débrouillez bien pour muter ce qu'il faut, la corde de Mi là, avec le pouce et le petit Mi avec l'index là, qui est un petit peu sur le côté, vous arriverez à faire aussi un contraste au niveau des registres en tapant dans les basses sur... voilà, on peut gratter genre les trois premières cordes. La première étant étouffée, on s'en fout. Ba, ba, o, o, ba. D'accord ? Ba, ba, o, o, ba. Je refais les deux. Ba, ba, o, o, ba. Ba, ba, o, o, ba. Ba, ba, o, o, ba. Ba, ba, o. Et c'est reparti. Ça, c'est pas facile d'arriver à terminer la boucle du refrain et revenir au riff. Donc, pour revenir au riff, c'est à partir du La. À la main droite, on commence la rythmique normale et en fait, on va l'enchaîner avec le départ qui partait après le 3, comme tout à l'heure. Donc, j'enchaîne directement sur le La. Hein. Ba, et un. Ba, ba, o, ba, ba, o, rien, et c'est reparti. Wouh! Ba, ba, o, rien, et c'est reparti. D'accord? Pour le riff, au niveau de la main droite, vous embêtez pas au début, vous faites que des coups vers le bas. Hein. Quand vous serez un petit peu plus à l'aise, vous pourrez essayer de faire des allers-retours. Mais ça, ça vient à peu près naturellement. Bossez bien les pentatoniques. Ah, le truc que j'ai montré dans l'autre tuto, là, ça vous aidera pour la suite, pour ce genre de riff. Voilà, donc ça, c'était la partie du refrain et la partie du pont, pour terminer le morceau, quasi. C'est que des coups vers le bas, en mode de bourrinage. Et ça va donner... on peut faire... main droite. Ba, 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 ba. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. On a une mesure de ce truc-là de main droite avec le power chord de Si. Donc là, vous mutez bien ce qu'il faut. Hein. On n'est que les trois notes sur lesquelles on appuie qui sortent. Une mesure en Si, une mesure en Ré. Noir, proche. Donc maintenant, je vous enchaîne les trois parties défilées. Le riff. 1, 2, 3, et 4, et 1. Deuxième pour la forme. Le refrain. Intéressant, là. Donc là, au lieu de recommencer le riff normal, je vais glisser deux fois avec l'index, comme ça. Je suis paré pour proposer le power chord mystère. Donc, une fois le riff normal.
de l'index. En moins quand vous êtes sur le si, hein. Pareil que l'autre transition d'avant. Noir, deux croches, noir et noir, deux croches, deux et c'est reparti. Ah merde! Noir, deux croches, noir, j'ai ruiné le truc. Noir, deux croches, deux et c'est reparti. Et voilà, vous avez tout. Voilà, c'est la fin de ce cours pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous allez bien vous éclater avec ce morceau. Vous pouvez l'essayer aussi bien avec une acoustique qu'avec une électrique. Ça marchera très bien. Faut juste éventuellement switcher avec une pédale pour passer en son saturé sur la partie du pont, là, quand on a un power chord. Si on veut vraiment sonner comme eux, et après on repasse, clac, en son clair, avec un petit réglage de chorus. Voilà, et là je crois qu'on a vraiment fait un grand tour. Merci beaucoup, merci du fond du cœur pour tous les messages aussi que je reçois. Désolé à tous ceux à qui j'ai promis des tutos. Ils arriveront, j'espère. En tous les cas, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.